Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Astronir, chers amis. Donc, nouveau bâtiment, nouveau bâtiment, on va dire. Production 0 de composite. Plateforme d'échange. Résine, organique, hydrazine, latérite, malachite, aluminium. Mais ça m'échange quoi? Par exemple, si je vais là, c'est pas de l'organique ça? D'accord, seuls les. Voilà, j'ai un organique. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est censé être ce machin-là? Ah mais merde, j'ai trop de câbles. Voilà. Module, voilà, on va trouver, chers amis. Trade platform, comment ça marche? Ah d'accord. Ok, je crois que j'ai compris. Wouah! Voilà, alors attendez, je vais vous montrer. Je crois que j'ai compris. Je récupère ça. C'est pas. C'est pour le principe. Hein. Je vais prendre, normalement je vais en avoir deux de copper pas loin. Voilà, j'en ai voilà. Deux copper, de coal. Voilà. Et vous allez voir. Vous voyez, clac. D'un seul coup, il s'est passé à deux. Moi du cuivre, on en est déjà à chier, ça m'intéresse pas. Ce qu'il me faudrait par contre. Ce serait du lithium. Et vous voyez que le lithium, c'est pour deux de charbon, j'en ai que un. Donc c'est pas rentable. Enfin, c'est pas rentable. Compte tenu de la quantité de charbon que j'ai, c'est rentable rapidement. Hein. Puis j'ai pas de difficulté à trouver le charbon. Mais en gros, certaines... Ah merde. Elle est où? Elle passe à côté ou je suis dedans? Elle passe à côté ou je suis dedans? Merde, je suis dedans. Merde, 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 merde. Je voulais surtout pas que ça arrive. Ah! Je vois des choses. Oula, il y a du caillou qui tombe là-dessus. Hein. Oulala, là là, on s'est fait violenter. Donc voilà, par exemple. Apparemment, le charbon est une ressource rare. Enfin, des plus rares. Au même titre que le lithium et que le titane. Par conséquent, c'est eux qui ont le plus gros coût. Un de charbon coûte 8. Il faut 16 pour avoir du lithium. Comme pour... Enfin, il en faut 16. Pardon. Je peux pas, en fait, voilà, c'est... En fait, à la revente, il vaut la moitié de ce qu'il coûte. C'est ça? C'est ça. Tout simplement. Donc, il m'en faut 2 pour échanger contre un lithium. Donc, 4 pour 2 lithium. 2 lithium qui me feront une batterie, chers amis. C'est extrêmement important. D'accord, il n'y a plus de tempête. Hein. Ok, alors ça me fait chier parce que du coup j'ai fait encore un gros trou dans mon truc.
Voilà. Crac. Ok. Et donc là, par exemple, vous voyez, je peux produire de lithium, chose que je vais... Pourquoi décoller? Putain, d'accord. Ok. Ok. Fallait que je mette du carburant dedans ou... Bon. Bon, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Ok. Ah. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon, chers amis. Crac, de lithium. Merde, non mais non, mais rallonge, Hop, voilà. Oh, ça c'est de la bonne nouvelle. De la bonne nouvelle comme j'aimerais en voir énormément. Ok, ça c'est la fonderie. Là-bas c'est la recherche. C'est le... comment le... l'imprimante. Ok, parfait. Ça nous fait une deuxième batterie, chers amis. Ce qui est complètement épique. On en a besoin. On a besoin d'énormément de batteries pour pouvoir bah, tout simplement recharger nos... Enfin, avoir suffisamment d'énergie dans la nuit, quoi. Pendant qu'on mine, pendant qu'on fait n'importe quoi. Parce que tout est relié ici directement. Hein. Je le rappelle. Hein. Alors, comment j'avais fait pour mes batteries? Si je l'avais rajouté, d'accord, sur un moment où... Rien ne m'empêche de la rajouter directement ici, en fait. Hein. Mais bon, on verra ça une autre fois, je pense. C'est vrai qu'en rajouter une ici me plairait bien. Mais apparemment ça ne va pas être possible. Qu'est-ce qui se passe si j'en rajoute une là? Ouais, ça me semble un petit peu dangereux. Ici serait peut-être mieux. Effectivement. J'ai de la résine sur moi. J'ai de l'organique, je sais, mais non, j'ai pas de résine. C'est pas grave. C'est pas grave. On a donc maintenant une deuxième batterie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on va partir à nouveau avec ce rover. Enfin, ce camion. Mais que cette fois-ci, on va partir dans une direction un petit peu différente. Tout en suivant, bien sûr, notre... Ou alors... Non, bah non, on va continuer à explorer la... On va continuer à explorer la... La cave. On a une bonne cave apparemment qu'on peut explorer assez, de manière assez intéressante. On en est où dans l'épisode? On a 8 minutes. Ouais, oui, c'est bon, on va explorer. Allons-y. Exploracon! Hop. Voilà. Crac. On peut passer directement là. Ok. Pousse, je passe. Pas ma faute. Cuivre supplémentaire. On a une bonne quantité de ressources finalement dans cette cave. Hein. Je veux pas dire, mais le cuivre par exemple n'en se revend pas au même prix. Le cuivre se vend 4. Bon, c'est pas excessif, dirons-nous. Mais ce n'est pas mal selon moi. Hop. Ok. Il y a encore une fois un petit peu de jour, hein, je veux pas dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'aurais apprécié presque que la lumière soit quelque chose à créer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on puisse... On doit créer la lumière du truc. Ce serait une évolution de l'armure et ça rajouterait des perspectives. Alors, apparemment, ça continue à descendre. Ça, c'est pas la pire des nouvelles. J'ai une sortie ? J'ai une sortie ici.
Moi qui pensais être super bas. Je suis où là alors? D'accord. Je suis littéralement dans le néant. What? D'accord. Et de la résine. Ok. Balise. Hop. Du lithium. Merde. C'est quoi cet endroit? Hop. Rallonge. Crac. Ok. On va rejoindre le truc maintenant parce qu'on doit être assez loin. D'accord. Là, il y a un peu plus de... D'accord. C'est génial. C'est absolument génial. Ok, on continue à descendre. Donc là, nous avons encore de la malachite, donc c'est-à-dire du minerai de cuivre. Apparemment, là, il y a un gros trou à droite. What? Ah bah dis donc. L'épisode de la bizarrerie. Il y a un cratère avec, dans le fond du cratère, un truc qui a pas l'air habituel, qui plus est. Merde, je suis coincé dans le trou. Ok, c'est bon, j'ai pu descendre. Crac. Et il est pas habituel. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est parti, chers amis. Ça, je sais absolument pas du tout ce que c'est. Là, malheureusement, je vais pas discuter. Ça, c'est une découverte, chers amis. Popopo, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Faites que ce soit des nouveaux trucs avec des nouvelles recherches. Parce qu'apparemment, il y a plein de choses à découvrir, chers amis. Hein. Et ça, clairement, c'est pas une formation, entre guillemets, naturelle, hein, je veux dire. Hein. On a bien vu, il y avait une grosse salle ronde tout autour, avec ça pratiquement dans le milieu, quoi. C'est pas... Et c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir, hein. Rouge et bleu, là, le style, enfin, les couleurs de Superman sur un cube, c'est pas habituel, hein. Moi j'ai pas vu ça encore. Hein. Là on a trouvé quelque chose qui est complètement nouveau, c'est la fête. Là le Marcus il est heureux. Hein. Ok. Des nouveautés. Ah, le caillou. Hop, voilà. On va passer par là, on va gagner du temps. Enfin, j'espère. Voilà. Et on n'est pas trop mauvais. Il y a une quantité de matériaux dans cette cave qui est complètement impressionnante, chers amis. Hein. Si ça se trouve, on va peut-être même pas avoir besoin de faire un voyage véritablement vers notre planète parce que voilà, quoi, on aura tout. On aura déjà tout. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Ok, ça il faut que je le ramène. Ça c'est sans conteste la chose à ramener. Il fait pas le même bruit que les autres trucs. Ok, on rentre à la maison. Directement au truc recherché. Oh, y a du drift. Hein. Y a du drift, chers amis. Des cailloux. J'ai oublié les cailloux. Hop.
Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là. Vaisseau spatial. Ah, c'était juste le vaisseau spatial? Oh! Oh, je suis dégoûté! Je suis dégoûté. Ressources, attendez, je vais aller voir parce que si c'est dans le. Ah non, apparemment, elles existaient déjà. Oh, il y a plein de trucs d'ailleurs qu'on connaît pas. Hein. Oh là là, il y a plein de trucs qu'on connaît pas en termes de. Ok. Bon bah. Ça nous fait un véhicule en plus. Et en plus, on a déjà le vaisseau spatial pour quand on fera la base là-bas. On est où? 16 minutes. Je profiterai bien de ces quelques minutes pour aller à pied vers là-bas. Et commencer à. À baliser l'endroit. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Crac. Du coup, je vais m'en refaire quelques-unes. Je suis désolé, je vais avoir une irritation dans le cou. Ça doit se voir un petit peu. Hein, je vais avoir le cou à moitié rouge. Raconte ta vie, Marcus. Elle vous plaît, ma vie. Hop. Crac. On peut grimper sans trop de soucis, finalement. Limite, on refera un passage au moment venu, ça fera mieux. Voilà, donc on est sur la première. Ah oui, ça va être là. Je le sens bien. Hop. J'ai plus d'énergie. Crac. Hop. Crac. Voilà. Voilà. Ça va être carrément ici. C'est en train de bien s'aplanir en plus, c'est vraiment parfait. Crac. Hop. Ça va être ici que sera, chers amis, notre base de lancement, littéralement, hein. Hop. Crac. Et je pense que ça va être sans doute un des meilleurs endroits où on aurait pu le faire. Je vais juste essayer de faire un escalier potable. Faudra juste que je fasse un tracé. Hop. Et j'ai pas de chance. Ça m'arrive sur la gueule. Non, elle passe à côté, j'ai l'impression. Elle passe à côté.
Ok. On est dedans ou elle passe à côté? Parce que je commence à me poser la question. Donc, vous voyez, on peut voir que là j'ai de l'énergie malgré la tempête. Grâce. Hop. Hop, voilà. Crac. Et moi, je vais pouvoir ajouter un petit peu ici. Crac, voilà. Ok, ça me semble bon. On y retourne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce qu'il faut pour un habitat. On va aller voir ce qu'il faut pour un habitat en imprimante. L'imprimante, elle est là-bas. Hop. Et vous voyez qu'on a pompé qu'un petit peu d'énergie sur la première batterie. Un petit peu, peut-être tout est relatif, mais vous avez compris. 2 de composite. Je n'ai actuellement pas 2 composites sur moi. Et même le composite est assez, assez rare à trouver. Mais si j'ai, regardez. Si j'ai par exemple... Est-ce qu'il me reste un charbon quelque part? Oh, il doit bien me rester un charbon quelque part. Voilà. Je prends le charbon. Ça c'est la fonderie. Là-bas. Je prends le charbon. Un seul charbon, hein, je rappelle, encore une fois. Hein. Un seul charbon. Je le place ici. Et je demande... non, je le place, pardon. Ici. Je demande du composite, j'en ai 4. D'ailleurs, le composite nécessite 4. Coup 2, je crois que c'était coup 1, d'accord, ok, pourquoi pas. Je crois que c'était coup 1, bon, c'est pas grave. Je pourrais mettre 2 charbons. Ou ouais, je pourrais mettre de l'hydrazine. On va voir si ça rajoute quelque chose, l'hydrazine. L'hydrazine, c'est quel niveau? Ah, c'est niveau 2, c'est pas le plus rare, mais c'est le deuxième. Ça m'en rajoute 1. Ce qui veut dire qu'en créant de l'hydrazine à la base de l'énergie, vous savez, on peut transformer de l'énergie en carburant, en tout cas pour l'instant, je peux créer avec l'énergie, je peux créer en fait une monnaie d'échange, ok. Bah écoute, on va faire ça pour ce décollage, vas-y, pars, ça m'intéresse. Ce qui veut dire que quand on aura suffisamment de résine, chers amis, maintenant, la prochaine fois on partira pour un truc de carburant, un dépôt de carburant. Ok. On en est où dans l'épisode? On en a 24 minutes. Et bah écoutez, chers amis, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais sauvegarder, je vais attendre l'arrivée du truc et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà, donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Je vous remercie encore une fois de l'avoir regardé, c'est vraiment sympa de suivre cette série. Moi, c'est un jeu qui me plaît énormément, hein, mais vraiment énormément. Donc j'espère qu'il vous plaît autant. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!